Alors, on va essayer de calculer l'aire du parallélogramme qui est représenté ici dans le, dans le plan repéré. Et donc, comme d'habitude, si tu as une idée de comment est-ce qu'on pourrait faire ça, eh bien, mets la vidéo sur pause et fais-le de ton côté. Alors, bon, la première chose à faire, bien sûr, c'est de se rappeler de la formule qui donne l'aire d'un parallélogramme. Alors, c'est l'aire d'un parallélogramme, c'est la base, la base, multipliée par la hauteur, la base multipliée par la hauteur. Voilà. Alors évidemment, il faut bien comprendre ce qu'on appelle base ici et ce qu'on appelle hauteur. Ce qu'on appelle la base d'un parallélogramme, eh bien en fait, ça va être tout simplement un des côtés du parallélogramme, n'importe lequel. Donc ici par exemple, on peut choisir comme base, disons ce côté-là, ça sera plus simple puisque ici on peut calculer facilement la longueur de ce côté-là puisqu'il est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc ça, je vais dire que c'est la base B, ça et puis du coup, la hauteur, eh en fait, c'est la distance entre la base et le côté qui lui est parallèle. Donc ici, la base, ça va être cette distance-là. Voilà. Donc ça, ici, c'est h. Alors maintenant, la base, on peut calculer sa longueur. Hein. C'est en fait la distance entre ce point-ci et ce point-ci, entre ces deux sommets. Donc on va tout simplement compter le nombre de petits carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ici, B est égal à 12. Puis la hauteur, c'est la distance entre ce sommet et ce point-ci, le pied de la hauteur. Donc, on va compter le nombre de petits carreaux. Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, H est égal à 4. Donc, finalement, l'air, eh c'est tout simplement 12 fois 4. 12 fois 4. Et 12 fois 4, ça fait 48. Voilà, donc notre parallélogramme ici, il a une R de 48 unités de mesure de surface, hein, bien sûr. Ça peut être des mètres carrés ou des centimètres carrés, ça dépend de ce que tu utilises. Alors, une petite remarque, hein. ici on a choisi B comme étant euh, cette longueur-là. On aurait très bien pu choisir B comme étant cette longueur-là, mais ça aurait été un petit peu plus compliqué, puisque ici, cette distance-là est beaucoup moins facile à calculer que celle-ci. Donc en choisissant B ici, on avait h là et on avait donc deux dimensions dont les mesures sont faciles à déterminer puisque elles sont verticales et horizontales